Un peu d'oxygène et de chlorophylle avant de se quitter. La ville de Tourcoing conserve sa quatrième fleur. Le comité national du concours Ville et Village Fleuri a donc maintenu la commune au sommet de la hiérarchie du fleurissement. Depuis la création de ce concours il y a 40 ans, les critères d'évaluation ont évolué. Le jury s'intéresse désormais au parc, aux arbres et au cadre de vie, ainsi qu'aux efforts en matière d'environnement. Écoutez, à ce propos, l'adjoint au maire de Tourcoing, il répond aux questions d'Élodie Bernachon. Distinction des quatre fleurs, c'est en même temps une reconnaissance, une récompense, mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire que c'est aussi pour nous, on se sent obligé, c'est une obligation qu'on se donne effectivement de pouvoir aller encore plus loin en matière de préservation de la biodiversité. On l'a vu il y a quelques mois avec la réintroduction de ruchers à Tourcoing, et donc avec quelques milliers d'abeilles qui produisent aujourd'hui du miel, mais aussi dans le cadre de la rénovation de notre verger municipal et des autres projets sur lesquels nous sommes actuellement en cours, notamment la reconnaissance de notre jardin botanique en jardin botanique de France.